Hey tout le monde, Samuel de Géant, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et je suis actuellement dans une grotte, mais pas n'importe laquelle, c'est la grotte qui mène au village. Et on avait dit qu'on allait prendre soit ce couloir là, soit le couloir qu'il y a là. Donc j'ai réfléchi et je pense qu'on va se prendre le couloir qu'il y a là. C'est c'est plus sympa, un petit peu plus ouvert, mais pour ce faire, il va falloir qu'on mine, qu'on déglingue tout ce qu'il y a là. Oh, j'ai plus Ast 2, ça c'est ballot ça. On va se diriger par là-bas. Et pendant que je vais creuser, on va parler d'une chose très importante. On va parler de la machine à duplication qui a animé de nombreux débats en commentaire sur la chaîne, à l'épisode précédent du coup. Alors ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes, et je respecte ces personnes-là du coup, enfin de toute façon je respecte n'importe qui sur la chaîne, hein, qu'on soit d'accord, n'étaient pas du tout enjoués par ma machine. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui duplique les items et c'est anti-jeu. Alors, je suis totalement d'accord avec eux que c'est carrément anti-jeu, mais il y a une chose que j'aimerais dire pour ma défense, on va dire, c'est que je l'ai fait uniquement d'une part pour vous montrer comment ça marche et puis parce que j'étais content qu'il y avait ce genre de bug dans le jeu, en fin de compte, qu'on pouvait exploiter. Et aussi parce que miner du diamant, ça prend énormément de temps. Alors, je sais que ça fait partie du jeu. Je le sais très bien. Mais le souci, c'est que... Bah, actuellement... Waouh. Vas-y, il est où le bloc? Il est là. Actuellement, je vous propose deux épisodes par semaine. Et deux épisodes par semaine, il faut avoir des idées. Il faut avoir du temps. Et puis, il faut pouvoir les faire. Là, actuellement, pour cet épisode-là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Parce qu'il se trouve que j'ai enfin eu mon nouveau PC. Mais ça, on en reparlera. Je joue pas encore avec le nouveau PC actuellement, mais je l'ai eu. Donc du coup, ouais, ça, beaucoup de personnes n'ont pas été contentes. Mais je m'en servirai seulement et uniquement pour dupliquer les diamants. Hein, je vais pas m'en servir pour dupliquer les Wither Skull ou les têtes de Creeper. Non, non, non. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire des fermes, hein, qu'on soit d'accord. Parce que actuellement sur ma base, j'ai des fermes à un peu de tout. Il me manque... 2-3 petites choses, et justement on va en faire une de ces choses là, mais ça va pas être une ferme automatique, hein, ça va juste être une ferme classique. Alors, je vais juste voir où j'en suis au niveau du chemin. Ouais, c'est par là bas donc on va plutôt miner par ici. Par contre j'ai plus Ast, donc ça fait un peu beaucoup chier, enfin bref. Et du coup, ouais, la machine, je me répète, je le dis et je le redirai pas, c'est uniquement pour dupliquer le diams, et c'est aussi pour les copains sur le serveur. S'ils veulent du diamant parce qu'ils veulent faire leur épisode, mais voilà, ils n'ont pas le temps d'aller en miner parce que leur pioche a lâché, ou parce qu'ils ont envie de faire une excursion dans le Nether et que leur armure est morte ou une connerie comme ça, ben je serai là pour leur en donner. Je vais pas le vendre, ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon je le vendrai pour, contre quoi, hein. Le diamant, c'est quand même la monnaie ultime du jeu, hein, entre guillemets. Alors c'est vrai que il y a le fait que le diamant, on aurait pu essayer de le récupérer en créant des boutiques sur le biome village, mais le biome village, malheureusement, est pas très animé. Il faut dire ce qu'il y a, hein. À l'époque où il y avait Dany, il était animé. À l'époque où il y avait Arion, aussi, il était un peu animé. Bon, c'était quand même Dany qui animait le plus le biome village. Il est parti depuis, mais je n'abandonne pas, hein, j'ai toujours des projets sur le biome village qu'il faudra qu'on fasse. Et je pense que les joueurs actuels, donc les nouveaux membres, s'intégreront au biome village un petit peu plus tard. Parce qu'actuellement ils sont dans leur base, ils ont fait certains ont fait leur maison au spawn nordique, je sais pas si tout le monde l'a fait. Baptisman a rejoint, yo. Je sais pas si tout le monde l'a fait, mais quoi qu'il en soit, voilà. Le truc, c'est... Voilà, c'est tout. Ah, il doit répondre à ce que je lui ai dit, parce que... Voilà, j'ai testé mon PC, il est à 130 FPS dans ma base, donc normalement, il devrait plus y avoir de baisse de framerate, mais... Mais on sait jamais, on sait pas trop encore. Alors, est-ce que c'est par là-bas? Non, ça c'est une autre grotte, ok. Je suis perdu. Ah, c'est par ici. Donc par ici, il faut... Clac. Donc il faut descendre là. Ok, très bien. Donc voilà, j'espère juste que les personnes qui ont râlé, entre guillemets, vous comprendrez, hein, mon point de vue vis-à-vis de ce que je veux faire avec cette machine-là.
Et c'est clairement pas mon but de cheater tout le jeu, hein, parce que sinon, comme je vous l'ai dit en commentaire, j'arrêterai ma série tout simplement. Parce que mon but, c'est quand même d'essayer de tout automatiser, sauf certaines choses, hein, parce que tout automatiser, c'est une belle chose, mais pour ça, il faut créer des mechas. Et les mechas, forcément, j'ai beau essayer de chercher des idées pour en inventer, c'est pas évident. Et la plupart des mechas ont déjà été inventés, donc du coup, voilà, il n'y a plus grand chose à faire, on va dire. Mais j'essaye quand même de faire des choses sympas, si possible. Alors, je crois bien que mon chemin il est fait. Donc voilà, le chemin il va mener ici. Et quand on va arriver là, hop, le chemin il est par là-bas. Très bien, c'est parfait. Donc ça, c'est juste le nouveau chemin que je voulais faire pour aller au biome village. Donc on va juste reboucher tout ça, hein, juste faire un sol, un mur. Pas besoin de faire trop, parce que de toute façon tout ça ce sera décoré plus tard. Voilà, ce sera bien. Mais nous, ce qu'on va faire, et pour ceux qui arrivent à lire les titres dans les épisodes, on va se faire une petite mare pour aller pêcher. Oui, parce que je peux pêcher aussi à l'extérieur, mais pourquoi pas pêcher aussi à l'intérieur. Donc la petite mare, je pense qu'on va la faire par ici, tout en sachant que là-haut, on voit bien qu'il y a de la claie, hein, de la claie brute, pas durcie mais brute. C'est ma salle des dons. Et je pense que l'étang, on va le faire par ici. Vous voyez, je vais faire un petit chemin par là. Parce que dès qu'on va monter les escaliers, on aura le choix entre aller tout droit pour aller au village, ou tourner directement à droite pour récupérer, enfin pour justement aller pêcher. Donc je pense que l'étang, je vais le faire toute cette partie-là. J'espère juste qu'il n'y a pas de méca en dessous. C'est la seule chose que je me pose comme question. J'espère pas, mais voilà. Bon, l'étang, on va le faire en sorte que ce soit beaucoup plus verdoyant que dans ma base. Parce qu'on peut faire un étang glacé, ça c'est clair, on pourrait le faire. Mais j'ai envie de changer un peu et de faire un étang verdoyant, voilà. Avec de la verdure et tout ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ML, partie mini. Oh, il se fout de ma gueule en plus. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce qu'ils ont suivi aussi les débats sur mes vidéos, ils ont été un peu bouche bée de voir que ça a autant discuté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont apprécié le bug, hein, ça c'est clair. Mais concrètement, je rejoins par contre les autres qui disaient que c'est de l'anti-jeu, parce que c'est clairement de l'anti-jeu, hein. Faut pas chier. Hein. Ok, alors. D'ailleurs, au passage, je m'excuse d'avance, parce que cet épisode je vais le faire d'une traite. Parce que malheureusement, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup le temps. Alors je vous explique un peu ce qui se passe. J'ai reçu le nouveau PC comme je vous l'ai dit. Alors, attendez, on va chercher à fermer ce passage-là. Est-ce qu'il y a moyen de le fermer proprement? Je pense qu'il y a moyen de le fermer comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, ça tu bouges. Voilà. Parce que là, la seule chose qu'on va devoir faire. Ouais, je pense que je vais le fermer comme ça. Ça va faire escalier de l'autre côté, mais on ira reboucher ça plus tard. Voilà. Bon, on va faire un truc comme ça. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc là, c'est fermé, ce qui fait que l'eau ne pourra pas sortir d'ici. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, je sais déjà plus. Je parlais de quoi? On va éclairer tout ça. Tac. Je sais plus de quoi je parlais. Bon, bah c'est pas grave, ça me reviendra. J'espère. Mais bon. Donc je disais c'est de l'anti-jeu, mais je le ferai plus. Et ah oui, c'est vrai, j'étais en train de vous expliquer pourquoi j'ai pas le temps et pourquoi j'allais faire cet épisode-là one shot. Bah, c'est tout simplement parce que voilà, comme vous le savez maintenant, j'ai reçu mon nouveau PC, mais il a fallu que je l'installe. Donc hier, on s'est couché. Il était 2h, 2h30 du matin, une connerie comme ça. Alors que généralement, on se couche vers 23h, grand maximum minuit, et encore, c'est pas tous les soirs. Donc voilà, manque de sommeil. On s'est réveillé un peu tard, et du coup, ce soir, normalement, je dois aller chez Wotan. Enfin, ce soir, à l'heure où je tourne, en tout cas, vous, ce sera pas le cas. Alors, attendez, je vais regarder comment on monte là, parce que on va quand même faire en sorte de monter un peu plus haut. Voilà, par là. Et du coup, ouais, donc j'ai pas tout le temps parce que derrière, il faut aussi que je fasse le Wix vidéo. Alors, quand Wotan et Fancy
seront libres en même temps. Ouais, parce que l'usine à Wither, on aimerait bien la faire. Mais malheureusement, quand on a voulu la faire, vous vous rappelez, hein, OMG shit nous a bien trollé la gueule. Il a fallu qu'on achète un nouveau serveur. Et du coup, on n'a pas retrouvé le temps pour le faire, malheureusement. Bah, ça reviendra, ça reviendra. Ok, ça commence à prendre forme. Là, on va encore monter. Parce que faut que l'étang soit quand même assez profond. Pour que je puisse envoyer ma canne à pêche sans qu'il y ait trop de problèmes. Sans que ça s'accroche, quoi. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Ça fait une belle surface pour l'étang, je pense, ça. Alors déjà, le gravier, ça dégage. Est-ce que je peux tout dégager, là? Ah, j'ai des baisses de frame. Vivement que je tourne avec le nouveau PC, les amis. Hein. Wow. D'accord, j'ai vu à travers les blocs. Tout va bien. On rebouge tout ça. Je pense que l'intérieur, j'aurais peut-être pas le temps de tout faire. Donc je vous montrerai au prochain épisode comment je me suis démerdé pour l'intérieur. Tac, 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 tac. On va remettre jusque là. Ça me semble pas trop mal. À mes souhaits, merci. J'ai coupé le micro, vous avez pas entendu, mais j'ai éternué comme un gros dégueulasse là. Ok, bon. On va remonter encore d'un cran. Et après, ça devrait être bon. Par contre, il va falloir dégager le plafond. Voilà. On ait un petit peu plus d'espace. Ok, on ramène tout ça là. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. À la base, mon idée, bah, je la ferai pour le prochain épisode. Je vous dirai pas c'est quoi parce que voilà, je vais pas vous spoiler. Mais c'est une idée qui a l'air, enfin, c'est même pas qui a l'air, c'est qu'elle est sympa cette idée là. Il faut que je la mette en place parce que ça va me servir. On verra ça plus tard, bien sûr. Et bah, du coup, il a fallu que je trouve une idée rapidement pour faire pour cet épisode là. Et je me suis dit. Pourquoi pas faire un stand de pêche. Ouais, un stand de pêche. Ouais, c'est sûr que dans une grotte glaciale, c'est pas très bienvenu, mais on peut toujours feinter. Alors, ici, il y aura la flotte. Je vais même faire en sorte que ça s'enfonce un peu plus. Alors, tu me diras, une fois qu'il y aura la flotte, ce sera bon. Quoique, avant qu'il y ait la flotte, il faut vraiment que l'étang soit rempli. Donc il faut impérativement que tout soit plein là, que je mette une couche de flotte et qu'ensuite que je creuse. Sinon ça va pas le faire. Donc on va faire comme ça. Tac tac. Ah parce que si je creuse déjà le trou, malheureusement bah, pour mettre la flotte à l'infini ça va pas marcher. Ça c'est quand même con. Voilà. Je pense que cette surface là ça devrait aller pour... Pour un étang, ouais, ça devrait aller. Par là-bas, il y aura peut-être une baie vitrée pour voir le couloir pour aller vers le village. Peut-être ici aussi, du coup, hein, parce que pour voir directement le village. Et par là-bas, il y aura, je sais pas, d'autres conneries. On verra. J'ai un seau d'eau sur moi, il faut que j'en prenne un autre. On y va rapidement. Peut-être que j'ai de la glace quelque part ici. Nope. Là-dedans. J'en ai qu'un. Laisse tomber, on va aller prendre un seau. Est-ce que j'en ai laissé un là-dedans? Non. Voilà. Ici, il devrait y en avoir. Ouais, ici, il y en a. Ok, très bien. Deux seaux d'eau, c'est nice. Et on attaquera d'ailleurs prochainement aussi bah, le couloir pour aller vers le village, maintenant qu'on a creusé le chemin. Mais ce sera pas pour le prochain épisode. Parce que pour le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu d'autres choses. Voilà, donc là le but ça va être de foutre de l'eau à l'infini. Comme ceci, comme cela, tac, tac. On fait ça comme des porcs. Pof, pof. Allez, ici et là. Oh, là aussi s'il te plaît. Voilà, l'étang est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à creuser le trou en dessous. En espérant qu'il n'y ait pas de redstone, parce qu'alors là je crie. Parce
que j'avoue, j'ai pas réfléchi à savoir s'il y avait des mechas en dessous. Normalement, non, mais. Voilà. D'ailleurs, l'intérieur de l'étang, faudra qu'on le remplace par. On va le remplacer par du sable. De l'air. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a quelques lags, hein, parce que mon oxygène a commencé à chuter. Alors que j'étais encore dans la bulle d'air créée par la torche. C'est juste dégueulasse les pertes de frame que j'ai. Oh, de l'air, vite. Merci. Mais si tout va bien, prochain épisode, ce sera avec la nouvelle bête. Et donc avec la nouvelle bête, il n'y aura plus de soucis. Alors je peux prendre de l'air ici. Ouais. Tac, alors je me demande si ça va pas jusqu'au village ça. J'ai peur. Non, c'est bon. Ouais, de l'air, hop là, merci. Ok. Non, vas-y, pose ton bloc là. Ah. Ah, il y avait déjà un bloc, d'accord. Ok, ouais, on va sortir. Ah, il y a quand même encore. J'ai peut-être créé ça du coup. Hop. C'est bon? Non. Tiens, hop. Tiens. Ah d'accord. Bon. C'est l'inconvénient. Voilà. C'est bon. La source d'eau a été neutralisée. Et il y a toujours des sources d'eau qui font un peu chier là. Elle est où cette source d'eau? Là ça a été réglé. Oh, j'ai oublié que j'ai pas assez d'air. Ici. Voilà. J'ai plus qu'à retirer ça. Toute cette connerie. Voilà. Ok, alors l'étang, comment il se présente? Voilà, l'étang il est pas trop mal, ça va. Oh, Yggdrasil a quitté. Donc là on va aller chercher du sable. Du sable que justement Yggdrasil m'a donné. Enfin m'a donné. Bah, il est joyeusement laissé traîner partout. Alors tout ça je le trierai plus tard, hein, parce que c'est beaucoup de boulot. Du sable, ça va être par là-bas. Il m'en reste un peu. Ok. Au passage, je vais prendre de l'herbe. J'en ai un pour paquet. Voilà. On fera la déco après, bien sûr. Hein. Et du coup, je pense que malgré tout, je vais vous faire une ellipse parce que voilà, si je fais pas d'ellipse, ça va paraître ultra long. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir tout ça de sable, enfin l'intérieur. Je vais mettre de la verdure par là-bas, ce qui fait que par là-bas, on va se faire un accès quand même. Hein. D'ailleurs, c'est très bien, il y avait une grotte juste derrière. Parfait. Voilà, on va se faire un accès comme ça. Où on mettra... je sais pas ce qu'on mettra, mais on mettra des choses par ici. C'est histoire d'avoir... histoire d'avoir quelque chose, quoi. Voilà. Donc il y aura de la verdure. Par contre, il faudra que je bouche un peu. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'il y ait des grottes. Ce sera vraiment un endroit englobé, juste pour pêcher. Et je crois même que je peux faire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut essayer de faire le tour de l'étang, si on veut. Normalement, on devrait tomber sur l'autre couloir. Voilà, on est sur l'autre couloir, c'est ça. Ouais, on est sur l'autre couloir. Donc là, par contre, je mettrai des vitres. Pour qu'on puisse voir l'autre couloir, justement. On verra ça après. Bref, du coup, petite ellipse, on se retrouve quand j'ai... Waouh ! Quand j'ai un peu avancé là-dessus. Voilà, une petite table de craft. On va y retourner. On va voir où j'en suis. J'ai quand même pas mal avancé. Et au final, j'ai vraiment agrandi la pièce pour pêcher, quoi. Voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà le grand étang. J'ai foutu de la glowstone au fond pour avoir de la lumière quand même au fond du lac. J'ai agrandi par ici. On peut voir que là c'est la salle des dons. Donc il faudra que je recouvre ça d'une manière ou d'une autre. Je l'ai agrandi par ici. Donc là-haut ce sera bouché bien sûr. Parce que de toute façon c'est un cul-de-sac. Par là-bas il y a une autre entrée pour aller vers une grotte. Mais ça pareil ce sera bouché. Et donc on arrive là. Et pareil au niveau de la forme de l'étang. Tout à l'heure quand on l'avait fait c'était vraiment carré. Là c'est plus vraiment carré.
C'est ça, pas vraiment une forme prédéfinie, mais c'est plus sympa comme ça. Et par là-bas où il y a le sable, c'est pour mettre le verre gris clair que j'ai récupéré. Donc par contre, j'ai ramené une table de craft qu'on va se mettre dans le coin juste ici. Et au passage là, on va y mettre de la lumière. Tac, on va récupérer ce qu'il faut. Pof. Pof. Voilà. Et tac. Ok, très bien. Donc là, on a la lumière. Et on va se crafter nos cannes à pêche. Bam! Ah ouais, moi je suis comme ça. Moi j'en crafte des tonnes et des tonnes parce que j'aime bien crafter des tonnes et des tonnes. Pof, pof. Et pour l'instant j'ai que des coffres piégés avec moi, donc c'est pas très grave. Les coffres pour l'instant vont être ici, mais ils seront... comment? Je les déplacerai parce qu'ici j'aimerais faire une toute petite cabane, mais vraiment toute petite pour pouvoir stocker les poissons que j'aurais pêchés. Et les cannes à pêche aussi que j'aurais pêché, parce que bien évidemment quand on pêche... on peut réussir à trouver de temps en temps des trésors. Donc on verra si je pourrai en trouver. Quoi qu'il en soit, je vais dégager tout ce sable là pour y mettre le verre. Voilà. Vu que le couloir sur le côté gauche il est pas fait, on le fera plus tard. Donc là derrière, en dessous par exemple, ce sera de la neige, ou alors ce sera de la stone brick, je sais pas trop. Mais quelque chose qui... qui séparera l'herbe de la neige pour éviter que l'herbe commence à geler, même si dans le jeu Minecraft ça gèle pas. Voilà, donc là on a du verre et ça fait comme ça. On voit même pas qu'il y a du verre pour l'instant, enfin on n'a pas l'impression qu'il y a du verre, on voit juste que c'est un peu flou, mais c'est tout. Et je voulais mettre du verre aussi devant, mais je crois pas que ça le rendrait bien parce que comme on peut le voir, voilà, on verra pas du tout le village de toute façon si je fais ça. C'était juste pour vous montrer, du coup faut que je rebouche. Ok. Parce que s'il aurait fallu faire quelque chose pour que ce soit visible, il aurait fallu que le verre soit directement au niveau de la flotte. Donc c'est pas tip top non plus. Voilà. On rebouche ça tranquillement. Voilà, très bien. Donc pour l'instant sur ce mur là, j'ai aucune idée de ce que je pourrais y mettre. Parce que quand on arrive, on voit ce mur là. Au-dessus, ce sera... je sais pas trop non plus d'ailleurs, parce que j'hésite à refaire quand même des spikes de glace, mais ce sera pas du tout en accord avec le sol malheureusement. Mais je vois pas trop ce que je pourrais faire en fait, c'est ça le souci. J'ai ramené des lianes aussi au passage, hein, pour que je puisse en mettre un peu partout, mais vu que je sais pas encore exactement comment ce sera disposé, bah je les mets pas. Là on va juste se mettre un peu plus de lumière, par contre ça va dégager. Très bien, j'ai un bloc de terre là. Voilà, allez. Hop. Putain, eh, remonte. Ok. Tac, tac. Donc ça c'est la lumière classique, hein, que je mets un peu partout. Alors là par contre il va falloir reboucher. Voilà. Ah, j'ai fait tomber de l'eau dans le village. Il a fallu que je nettoie tout ça. Là ici il y a de la terre, mais s'il y a de la terre c'est parce que l'herbe va se répandre, hein, donc faudra être patient. Mais ça se répandra. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus aucune torche. Ce sera beaucoup plus sympa s'il n'y a plus aucune torche. Voilà, très bien, il y a du gravier. Pouf. Ici, pareil. Enfin, vous voyez le principe, quoi. Il suffit de mettre de la lumière un peu partout. Et ça baigne. Et c'est plus sympa à regarder quand on est de loin. Il n'y a pas de torche, mais c'est quand même éclairé, donc ça peut pas spawner. Même si on est dans un biome mushroom, hein, si je tape un zombie, ça spawn quand même. Et donc là, je peux pêcher tranquillement. Et si je fais un petit zoom comme ça, on peut voir d'ailleurs les particules qui viendront vers ma canne à pêche. Et du coup, dès qu'il arrive, on va le récupérer et on verra ce que j'ai pêché. Peut-être faire de la place là. Ok. Allez. Ok, une bestiole là. Alors, il y a beaucoup de choses qui disent, enfin beaucoup de personnes qui disent que quand il pleut, on a plus de chances de pêcher. J'ai fait des tests et c'est pas très très concluant. Je pense que c'est plutôt une histoire de chance. Et pour l'instant la chance n'est pas avec moi, parce qu'il n'y a aucune particule qui arrive pour que je puisse récupérer du poisson. Mais de toute façon vous pouvez voir qu'il y a des éclaboussures un peu partout, hein. À partir du moment où il y a des éclaboussures, ça veut dire qu'il y a du poisson. Ah voilà, attention, ça arrive. Hop là, voilà. J'ai pêché un poisson cru. Et normalement on peut pêcher beaucoup plus de choses, hein. Avec de la chance on peut pêcher aussi
des trésors, comme je le disais. Et dans les trésors, on a des livres enchantés qui sont ultra cheatés. On a des cannes à pêche aussi qu'on peut repêcher, mais des cannes à pêche avec, avec beaucoup de beaux enchantements. D'ailleurs, ça me fait penser. C'est pas le bon bouton. Je crois que j'avais laissé une canne à pêche dans mon under chest, je sais plus. Parce que j'ai checké un peu les coffres que j'avais pour retrouver des cannes à pêche et j'en ai pas trouvé. Donc, est-ce que j'en avais laissé une là-dedans? Bah non. C'est bizarre ça, parce que du coup, je sais pas du tout où j'ai foutu les cannes à pêche. Parce que j'avais une canne à pêche qui était bien cheatée, hein, mais je la trouve plus. Quand je regarde là-dedans, il n'y a pas de canne à pêche, hein. Là-dedans, il y en a une, mais c'est une canne à pêche avec une carotte sur le bout de la canne à pêche. Mais c'est pas ça non plus. Et après, le seul endroit qui pourrait y être, c'est là. Mais il n'y a pas de canne à pêche non plus. Donc, aucune idée de où est-ce que j'aurais pu foutre cette canne à pêche. Parce que là-dedans non plus, hein. Non, là-dedans non plus. C'est trop le bazar. Et peut-être dans les poissons. Non. En poisson, hein, j'en ai quand même pas mal. Et d'ailleurs, au niveau des poissons différents qu'on peut pêcher, ils sont tous là. Non, pas celui-là. Voilà. On peut pêcher 4 poissons. Du saumon cru, du poisson clown, du poisson cru et du poisson globe. Donc le poisson globe, faut pas le manger. Mais juste pour le lol. Ah bah non, faut que j'ai un peu faim. Juste pour le lol, on va en manger un. Et dans la cabane, donc du coup, je ferai des coffres pour les 4 poissons. Pour que je puisse les stocker. Le poisson globe, d'ailleurs, sert au passage à faire des potions de respiration aquatique. Donc ça c'est pratique. Je pense qu'au sommet je ferai quand même des spikes de glace. Hein. Donc on fera un couloir glacé là. Qui commencera à se recouvrir de terre. D'ailleurs je vais peut-être recouvrir tout de suite. Oups, voilà. Tac. Ok. On va mettre de la terre. Voilà, comme ça. Là j'aime bien. En plus la terre dans le biome mushroom est vraiment très très verte. Hein. Et ça c'est sympa. Glowstone, tac, voilà la lumière, voilà. J'ai mis aussi des nénuphars et puis voilà. Donc la cabane sera là. Je me répète, mais bon, là je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais dire de plus. On va juste essayer de pêcher un autre poisson, voir qu'est-ce que ce sera. En attendant que j'ai faim pour manger mon poisson globe. Allez, vas-y. Je sais que Fred est très bon à la pêche parce qu'il pêchait vraiment des trucs de fou quand il faisait de la pêche avec Danny. Et des poissons globes, justement, il en avait à foison. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui lui en ai pris. Ah, attention. Oh, ça a lagué au moment où le poisson est arrivé, quoi. Et du coup, le poisson, il est où? Ah, il est là. Oh, ok, je l'ai même pas récupéré. Nice. Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir faim, donc on mangera pas le poisson globe. Je vais aller chercher le commentaire de l'épisode. Et on se retrouve. Je vais mourir. Oh. Oh. Aïe. 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 Oh. Ah, c'est ça de manger du poisson. Poisson pas frais, il est pas frais ton poisson, putain. Putain, par contre, ça fait mal, hein. Oh. Poisson. 4. Waouh, mais je vais mourir. Oh, j'avais oublié que ça faisait foutre poison 4. Ça a changé depuis alors. Waouh. Ah ouais, ça pique violent là. Je vais peut-être crever. Ah, ce serait ballot quand même. Tu vas pas crever ici. Oh là là. Oh, j'ai peut-être fait le con. Allez, allez. Tu peux vivre. Tu peux vivre. Ça, oh non, c'est bon. Je vais survivre. Normalement, je survis. C'était chaud les amis, c'était chaud. Voilà, c'est ça de faire le con avec le poisson. Hein. Mais du coup le poisson globe, ouais, il fait vachement mal par rapport à l'époque. Hein. Ils ont dû augmenter les conneries qu'il y avait sur le poisson globe parce que je me souviens que ça donnait hunger, poison et nausée. Donc nausée, ça restait pas très longtemps, exactement comme là on a pu le voir. Mais par contre le poison 4, qui dure quasiment une minute, bah ça pique. Bref, j'ai récupéré le commentaire pour cet épisode-là, on va le lire ensemble.
Je comprends pas les rageux. Minecraft est plein de bugs, autant en profiter tant que les bugs ne sont pas corrigés. Ça fait partie du jeu et c'est 100% vanilla. C'est abusé comment on peut se refaire en diams ou autre, mais comme ML2G le montre, c'est aussi beaucoup trop simple à faire, lol. Je me rappelle de Juju sur Olicube qui était parvenu avec sa machine à potions à dupliquer des blocs de diams. Personne ne l'a fait chier pour ça. Buppy Build and Play. Alors, j'ai récupéré ce commentaire parce que j'ai pas répondu en commentaire écrit. Et puis, la plupart des autres commentaires qu'il y avait sur l'épisode précédent, bah, j'ai répondu en écrit parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, il y a eu débat. Il y a eu énormément de débats. Bon, en attendant, je vais pêcher pendant que je parle. Et par contre, j'étais pas au courant que Juju avait créé une machine pour dupliquer les blocs de diamants. Mais voilà, c'est vrai que Minecraft est plein de bugs. Il y a beaucoup de choses à exploiter avec ces bugs. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque, on avait la possibilité de changer l'ID des objets. Ouh, attention. Ouh, du saumon. Classe. Classe, classe, classe. On avait la possibilité de changer les ID des objets, ce qui fait qu'on pouvait transformer de la pierre en granit ou en plein de choses. On pouvait même la changer en quartz, il me semble. Je crois que c'était les dalles, ça. Parce que les dalles, on pouvait les changer en n'importe quoi. Et on avait la possibilité de changer beaucoup de choses aussi. Et du coup, c'était pas une duplication. C'était un changement de propriété du bloc. Mais pareil, c'est du cheat. Parce que tu récupères des slabs de pierre que tu peux avoir à foison. Et tu te fais des slabs de quartz. Et voilà. Pareil aussi, je me souviens d'une époque où on pouvait changer la... Oh, j'allais dire c'est une clé, mais non, c'est un crochet. C'est pourri, monsieur, c'est pourri. On pouvait transformer aussi la pierre... non, la stone brick. La stone brick, on pouvait la transformer avec une machine spéciale pour la mettre en stone brick craquelée ou en stone brick moussue, voire même stone brick taillée. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas crafter tous ces blocs-là, que ce soit le moussu, le craquelé ou le taillé. Ça, c'était impossible à faire. Aujourd'hui, on peut le faire, hein. Mais avant, on pouvait pas le faire. Et du coup, il y avait une machine qui permettait de transformer ça pour avoir ça. C'est du cheat aussi, parce que du coup... ça permettait de pas vider le stronghold, clairement. Mais c'était quand même du cheat. Mais après, voilà, c'est ça. C'est vrai que la machine que je vous ai présentée à l'épisode précédent, elle est ultra simple. Et puis, à l'époque de la 1.8.1, donc c'était il n'y a pas très longtemps, les objets, vous pouviez les mettre dans des dispensers. Et du coup, ça vous dispensait des tonnes et des tonnes de blocs que vous voulez, ce qui fait qu'on pouvait automatiser cette machine et en avoir à foison. Là ça marche plus, donc on est obligé de le faire manuellement, mais c'est pareil, c'est toujours autant cheaté. Et comme je l'ai dit au début de l'épisode, je ne m'en servirai que pour le diamant et rien d'autre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de continuer à essayer d'automatiser et de faire de belles choses sur Minecraft. De poisson. Donc rassurez-vous là-dessus. Je rassure toutes les personnes qui n'ont pas parlé, parce que je sais que vous êtes une majorité silencieuse. Et d'ailleurs, je vous passe le coucou à cette fameuse majorité. Il y en a certains qui n'auront pas aimé, d'autres qui auront aimé. Mais pas de souci à se faire, ce sera uniquement pour le diamant. Comme vous pouvez le voir, ma pioche, elle a bien dégusté pour ce que j'ai fait ici. Et par contre, il va falloir que j'ai de l'XP pour pouvoir la réparer, donc ça c'est pas un gros souci. Mais le jour où elle sera morte, ma pioche, et ben les diamants. Ouh, du cuir. Les diamants que j'ai dupliqués. Je vais pouvoir m'en servir pour avoir justement une nouvelle pioche et pouvoir continuer à faire les épisodes. Donc, je cherche pas d'excuses vis-à-vis du contenu de cette vidéo précise, mais clairement, elle est pas folichonne, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, comme on dit. J'ai juste créé un lac pour pêcher, voilà. Mais par contre, il fallait quand même que je parle de la machine que j'avais fait à l'épisode précédent. Mais rassurez-vous, pour le prochain épisode, c'est-à-dire mercredi, il y aura vraiment des choses à se mettre sous la dent. Tout du moins, j'espère pour vous, parce que je vais passer du temps à le faire. Et ce sera beaucoup plus intéressant. Là, comme je l'ai dit... du poisson. Comme je l'ai dit, j'ai pas masse de temps, malheureusement. Et vu que j'ai toujours comme projet de respecter les plannings que je fais, même s'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais respecte pas tes plannings, fais tes vidéos quand t'as envie de les faire. » Waouh, merci la souris. oui... Là actuellement, l'épisode de Minecraft que j'ai tourné aujourd'hui, j'avais envie de le faire. C'est pas parce que j'avais pas beaucoup de temps que j'avais pas envie. Il y a des jours où j'ai pas envie de tourner, du coup je tourne pas, mais après l'envie me revient et je le tourne un peu à la bourre vis-à-vis du planning que j'ai fait. Mais j'ai toujours envie de faire des vidéos et j'ai toujours envie de jouer à Minecraft, c'est surtout ça. Attention, ça arrive. Clac ! Poisson encore. Donc voilà.
Je continuerai quoi qu'il arrive à respecter le planning que je me donne sur les Wix vidéos. Donc je vous laisse là les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour... Attention, ça arrive. Tac, encore un poisson. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où on fera quelque chose de plus gros qui nous permettra d'avoir beaucoup de loot très intéressant qui nous servira également pour l'épisode 100. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye.